Rétino, tu accompagnes ta mère avec ce groupe de pisteurs. Essayez de trouver la trace de ce loup blanc. Commencez par la forêt de Fayez. Il y a des impériaux là-bas. Aucun problème. Ils sont avec nous dans cette chasse au loup. Ma benne ronce noire et le Jarl Erlund y voient aucun obstacle. L'empreinte d'un grand loup. Ça doit se repérer sur la neige. Moi, je vais à Vendôme. Il y a deux nuits, des témoins l'ont vu traverser la ville. D'autres disent qu'on l'entendait gémir près du palais des rois. Puis il a menacé les gardes avant de s'enfuir. Il a tué personne. Mais là aussi, il y a des traces sur la neige. Capitaine, vous étiez de patrouille il y a deux nuits, c'est bien ça? Oui, seigneur. Nous l'avons vu traverser la ville, un grand loup blanc. On l'a vu rôder autour du palais. Quand nous sommes arrivés, il s'est montré menaçant, puis il a disparu du côté des remparts. Nous avons suivi ses traces dans la neige. L'une d'elles s'arrête juste devant la maison Yérim, devant le porche. Cette maison est vide. Nous l'avions laissée à Siglin, la femme de Harald le Nordique, lorsqu'elle s'est échappée de Fayez. Un an après, elle a été poignardée dans une rue de Vendôme. Des tueurs sans doute payés par Mabend Roncenoir et le Talmor. Depuis, la maison est vide. Mais il reste sa fille. Alvina, une jeune fille intrépide. Elle est partie à l'aventure, sur les routes, le lendemain de la mort de sa mère. Elle n'est pas revenue à Vendôme. Vous dites que les traces s'arrêtaient sur le porche. Il a peut-être flairé quelque chose et fait demi-tour. Je vais aller voir. La maison est ici. On avait failli l'acheter avec Ayla. Donc les traces s'arrêtaient sur le porche. C'est ce qu'a dit le capitaine. Ensuite, il a fait demi-tour. Pourquoi ? Alvina. Bran le Nordique. Je suis aussi le Jarl de Vendôme, tu le sais sans doute. Je vous ai connue toute petite, quand vous vous êtes occupée de ma mère. Alors les formules ronflantes, tu es revenu dans la maison de ta mère. Eh oui, le passé m'a rattrapé. J'ai tant de souvenirs ici. Vendôme. Tu as vu ces traces dans la neige devant chez toi? Oui, j'ai vu, et je ne comprends pas. Personne n'est entré chez moi. Ce n'est peut-être pas une personne. La trace d'un monstre. En tout cas, il est monté jusqu'ici. On dit qu'il a traversé tout Vendôme. Seigneur, tu peux m'appeler Bran, comme avant. J'ai tes enfants, mais j'ai entendu ce que disaient les grandes personnes sur la mort de mon père, Harald le Nordique, égorgé comme un chien. C'est moi-même qui l'ai découvert, dans la cellule d'un fort occupé par des impériaux à la solde des Talmor. Ton père a été vengé depuis. J'étais enfant lorsque ma mère est morte, ici à Vendôme. Personne n'a jamais arrêté les coupables. On pense que ça vient aussi du Talmor. Tous ces gens-là ont payé pour leurs crimes. Mabend Roncenoir, c'est une personne rusée, mais on ne l'a jamais accusé directement. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Dors bien, Alvina, et ne t'inquiète pas pour ces traces sur la neige. Ce sont celles d'un grand loup que mes hommes ont pisté. Mais aucun danger. Mes gardes l'ont vu quitter la ville. Berlit. Oui, seigneur. Surveillez la maison d'Alvina, sans vous faire remarquer, à une bonne distance.
Je veillerai sur elle. Rien. Aucune trace du loup blanc. Pourtant, il n'a pas neigé. Si les traces datent de 2 nuits à peine, qu'est devenu ton flair de chasseresse, ça et là? Je veux bien qu'on descende de cheval, mais il n'y a rien à voir. À Rétino, je ne veux entendre aucune critique. Sinon, je te renvoie chez Farkas. Farkas, ce bon vieux Farkas. J'irai bien le revoir. Nostalgique? C'est toute mon enfance, maman. Je n'ai qu'à fermer les yeux. Ce n'est pas parce que je suis une triste oiseau que je n'ai pas le droit de gagner ma vie. Ils sont mûrs, mes fruits. Ils sont frais, mes légumes. On peut revenir en arrière, c'est ce que disent les Skalles. Je suis devenu un Skalle, même si j'appartiens pas à la tribu. Un vrai Skalle? Je ne sais pas, mais j'ai un lien avec les premières tribus. Déjà dans mon enfance. Arétino, rentrons à la maison. Gundyr, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est? Des impériaux. Tout près de l'ambassade du Talmor, ça ne m'étonne pas. Nombreux sont nos ennemis, Gundyr, et on ne peut pas les punir tous. Merci d'être venu à Thor. Pourquoi un rendez-vous ici? Je reconnais que c'était de la folie de venir chez toi, Vendôme. Les gardes auraient pu me reconnaître. Pourquoi te reconnaître? Tous les gardes connaissent ton visage? Tu es quelqu'un de connu, Vendôme? Pas du tout. Mais ils ont pu me repérer quand je suis arrivé avec Gundyr, le grand loup blanc. Ils ne te connaissent pas, mais ils cherchent ta piste. Bran le Nordique est venu me poser des questions. Le Jarl de Vendôme? Oui, lui-même. Tu le connais bien? J'ai eu une illumination, Elvina, et j'ai tout compris. Ma mémoire d'enfant n'est plus défaillante.
la maison où tu vis. Je me souviens, elle appartenait à Siglin, la femme d'Harald le Nordique, qui avait fui Fayez. Je me souviens aussi d'une petite fille qui jouait dans les escaliers, ceux qui descendent vers le vieux cimetière. Et la petite fille s'appelait Alvina. Ah oui, je m'en souviens. C'est comme la couleur d'une fleur, tu l'oublies pas. Un chant à l'hymne d'un barde. L'incroyable mouvement de ma mémoire pour revenir à cet instant-là et tout revoir, tout comprendre. Alvina, c'est toi. Fini le mensonge. Je peux lire dans ton cerveau. C'est drôle, non? Oui, je suis Alvina, la fille de Siglin, assassinée à Vendôme. Et tu es sur ma route. Voilà ce qui éclaire bien des choses. Et toi, à tort d'après l'escale, tu es qui? Un coupe-jarret? Un meurtrier? Un fou qui a passé un pacte avec un dédrat? Un dieu lui-même? Je suis Aretino, le fils de Bran le Nordique. Je suis surprise. Une belle descendance. Les choses sont claires entre nous. Nous avons les mêmes ennemis. J'ai dû explorer les bois autour de Fayez avec Ayla et un groupe de sombrages, sur les traces du loup blanc. C'était assez étrange. J'étais là, au milieu d'eux. Il est très rare d'avoir pour invité un général d'Empire dans ce palais. Général Bertus, nous avons besoin d'unir nos forces contre tous les dangers qui menacent bord de ciel. La guerre lancée par Ulfric pour la couronne de Haut-Roi, jusqu'à la bataille de Fort-d'Hiver, où se sont affrontées les deux places fortes nordiques les plus importantes, ça a fait beaucoup de dégâts chez les sombrages, sans parler de l'assassinat d'Ulfric. Vous avez pris sa place de Jarl et vous régnez sur Vendôme avec sagesse. Avec sagesse, je dirais plutôt avec regret. Mais bord de ciel n'est plus livré au fer et au sang. Les Jarls ne se font plus la guerre. Nous veillons au salut de la province impériale, et l'Empire reconnaît certaines fautes. Avoir laissé trop d'importance aux Talmor, aux intrigants de l'ambassade, d'avoir accepté trop facilement leur argent, et avoir interdit le culte de Talos et les coutumes nordiques. Vous voyez, je suis franc. Après avoir enfermé, torturé et décapité de nombreux sombrages, vous le pouvez. Je me souviens de mon retour à bord de ciel et du bourreau d'Elgen. Il a longtemps hanté mes nuits. Les impériaux ricanaient à chaque fois qu'une tête tombait dans le panier. Mais beaucoup de temps a passé. Les temps ont changé et le monde n'est plus le même. La preuve, votre présence ici. Nous sommes sur la piste de ce loup blanc. Vous n'avez aucun renseignement? Qu'ont fait les pisteurs de Vendôme le jour de la grande battue? Nous n'avons rien trouvé. Parlons simple. Un homme loup, ça n'a rien de militaire. Ce sont des choses qui sont connues seulement des chamans, des sorciers, des nécromants, ce qui réduit notre champ de recherche. En dehors des compagnons de Blancherive liés à Irsine, au dieu de la chasse, je ne vois pas. Ah, le fameux pouvoir des compagnons, qui pouvait, disait-on, je ne l'ai pas vu de mes yeux, se transformer en loup-garou. Je n'ai aucun problème avec la guilde de Blancherive, à laquelle vous appartenez, vous et Aella. Au cas où vous l'auriez oublié, général, ceci ne concerne pas les impériaux. Quant à moi, je suis devenu le Jarl de Vendôme. Je n'ai aucun problème avec Farkas et ses compagnons. Ce loup n'est pas un spectre, ou alors un dédrat puissant est à l'œuvre. Je pense plutôt à certaines pratiques, lorsqu'un sorcier ne fait plus qu'un avec l'esprit du loup. C'est une pratique enseignée chez les Scales. Vous avez bien potassé l'histoire des Nordiques, général.
Oui, mais pas seulement. C'est une pratique connue de tous les chamans, liée aux très anciennes traditions nordiques. Voilà ce que nous allons faire, Bran. Nous allons arrêter tous les chamans, sorciers, nécromants de bord de ciel. Ils ne sont pas si nombreux. Sous la torture, ils finiront bien par avouer. Sous la torture, ils avoueront tous. C'est stupide. Et vous vous mettez la population à dos. Que me conseillez-vous ? Je m'occupe de cette affaire. Mais la tête du loup blanc n'est pas pour vous, général Vertus. Elle est pour moi, mon ultime trophée de chasse. Faites-en ce que vous voulez. Je veux juste la mort de ce loup. Il ne va quand même pas, lui tout seul, rallumer l'incendie dans bord de ciel. Là, je ne rêve pas. Quelqu'un a ouvert la porte. Arétino ? Mais que fais-tu à cette heure-ci, dans cette obscurité ? Tu ne dors pas ? Non, je n'avais pas sommeil. De quelle obscurité tu parles ? Regarde cette clarté. La nuit et la glace, tout brille. Je ne sais pas si ce séjour chez les Skaal a été profitable. Tu peux descendre de ton nuage ? Tu me fais peur, Arétino. Tu as changé. Peur de quoi ? De ce que vous avez mis au monde ? Moi, je vous aime. Nous aussi, Arétino. Et ne prends pas froid, ou enfile tes habits de Skaal. J'arrive à te faire sourire, c'est déjà ça. Je viens d'apprendre par un garde en surveillance à Vendôme qu'Arétino fréquentait Alvina, la fille de Siglin. Il lui a rendu déjà plusieurs visites. Et alors, ils se sont connus enfants, tout en espérant que ces deux-là ne complotent rien. Pourquoi ? C'est une fille intrépide, mais c'est une folle. Elle veut la peau de Maven Ronce-Noire. Elle va finir par se faire coffrer. Tu devrais parler avec Arétino. Peut-être bien.
Vina, on a trop bu. On ne boit jamais assez d'hydromel, c'est toi qui l'as dit, le sang des dieux. Eux en bas, ils se saoulent avec quoi? La bière? L'urine des dieux? J'ai entendu des dieux qui chuchotaient dans une clairière. Quoi tu parles? T'es complètement saoul. Pourquoi on boit? Ici, tout le monde te connaît, mais personne ne connaît le loup. On pourrait leur foutre la trouille. Laisse tomber. Tu m'as promis pour ma Vénrose noire. De t'aider, oui, j'oublie pas. D'abord, comment veux-tu que je l'oublie, celle-là? Mon loup la déchirera, on entendra ses hurlements, et je lui ferai sauter la tête. Ça te plaît? Voilà une fête comme je les aime. Je m'ennuie, Arétino, on boit pour rien, et c'est la première fois que je t'accompagne. On va se faire la main avant ma Vénrose noire. Pourquoi pas les gardes de Fayez? Le visage à découvert. Tout le monde te reconnaîtra. J'ai une cagoule. Quel genre? Celle qu'on met aux condamnés à mort. Celle que portaient les sombrages à Elgen il y a bien longtemps. Qu'en penses-tu? Tu es méconnaissable. Et on dirait même que tu marches droit à la mort. Concentre-toi. T'occupe pas du loup. Choisis ta cible. Laissons les cadavres aux vautours. Mmh.